Yo les potes, c'est Kenan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc pour cette vidéo, je vais vous montrer comment dessiner Son Goku Ultra Insta Blue. Avant de commencer la vidéo, si nouveau nouvelle, n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche de notification et de liker cette vidéo. Comme ça, je peux atteindre mes 15 000 abonnés au plus vite. Comme matériel, il vous faudra du noir, du bleu foncé, du bleu clair, du rouge, du orange, du jaune, du bleu, du beige, et ce sera tout. Donc, on démarre la vidéo. Donc, on va commencer par le noir en faisant du 4 en bas. Alors, essayez de prendre le... Voilà, essayez de prendre ce côté-là. 1, 2, 3, 4. D'accord ? Là, on fait 1. 1. 1, 2, 3. 1. 1. 1, 2. Ok. Là, on fait 1. 1, 2, 3. 1, 2. Ensuite, là, on fait 4. 1, 2, 3, 4. Là aussi, on fait 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Ok. Là, en bas, on fait 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2, 3. Ok. Ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 1, 2. 1, 2. Et au-dessus, donc là, on va faire 1, 1, 2. Ok. Là, on fait 3. Là, on fait 2. Et voilà. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va faire 1. Là on va faire 1, d'accord. Là on fait 1, 2, 3, 4. Là on fait 1, ok. Ensuite ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. Là on fait 1, 1, 2. Et là on fait 1, 2, 3, 4. D'accord. Après avoir fait ça, vous allez faire 1, 2. 1, 2. Et là, vous allez faire 4. Ok. Là, ici, là, on se décale de deux carreaux. On fait, donc là, on fait les yeux. D'accord. Hop. Donc là, on remonte. En faisant du 3, bien sûr. Hop. 1, 2. Voilà. Et on fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Hop. 1. 1. Ok, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord, on fait 1, 2, 3, et on fait 1, 2, voilà. Donc là, on va commencer. Donc là, on va démarrer la partie la plus dure de la vidéo. Donc ça va être les cheveux de Son Goku. Alors en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer d'abord ici, en fait. D'accord. Donc là, on va faire 1, 2, 3. Ensuite, on fait 1, 2, 3. Voilà. Là, on fait 1. Ensuite, 1, 2, 3. Et 1. Voilà. Donc là, ici, c'est faisable, ok. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer, on va redémarrer ici. Donc là, on fait 1, 1. Donc là, on fait 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Là, on fait 1. Là, on fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalement. Là, on fait 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3 et 4. 1, 1, 2, 1, 2. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Après les gars, si vous avez du mal à suivre, d'accord, alors moi je vous recommande de mettre sur pause.
ok, mettre sur pause et remettre la vidéo en avant. Parce que je connais, il y a des gens dans les commentaires, ouais, à cause de toi, j'arrive pas à suivre ça. Bah les gars, faut penser à mettre sur pause. Voilà, donc c'est un petit conseil que je vous donne pour la vidéo. Ensuite, vous faites 1, 2, 3. Donc là, on descend de 3 carreaux. Ok, là, on fait 1, 2, 3. 1, 1. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Ok. Là, on fait 1, 2, 3. Donc là, on fait une croix, en fait. Là, on fait une genre de croix. Ensuite, là, on descend. On fait 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Là, on fait 1. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Voilà. On fait 1. Et 2. Voilà. Et donc ensuite, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va passer au coloriage. Et voilà, donc après avoir colorié ce Sangoku Blue, les contours plutôt, alors là vous allez remarquer qu'il y aurait un trou. Donc en gros, je vais vous expliquer ce que c'est, donc il y aura plein de gens qui vont se poser la question pourquoi il y a un trou. Donc en gros, en fait, ça va être le Kamehameha, donc en gros la genre de boule, tu vois, que Sangoku il fait, donc ce sera une genre de boule bleue. Donc ce qu'on va faire là, d'ailleurs on va prendre le bleu qu'il nous faut. Donc prenez le bleu normal, d'accord, donc le bleu normal que je vous ai demandé au début de la vidéo. Et là, ce qu'on va faire, c'est quoi d'ailleurs, de dessiner. Voilà. Alors attends, là en fait, on fait 1, 2, 3, 4. Voilà. Là, on fait 1, 2, 3. Voilà, 1, 2. Ensuite là, on fait 4. En fait, on dessine à peu près les contours, en fait. C'est à peu près ça. Là, on fait 4. Après, là, on fait 1. Là, on fait 1. Là aussi, on fait 1. Et là, on fait 4. Ok. Ensuite, on va prendre le bleu clair. D'accord. Et on va repasser le deuxième côté. Donc là, c'est grave simple. Hein. Voilà. Et voilà, donc franchement il est hyper stylé, et franchement les gars il est vraiment grave stylé, on est vraiment d'accord. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le bleu foncé, excusez-moi, le bleu foncé que je vous ai demandé au début de la vidéo. Alors en fait on va dessiner les pieds qui sont en bas. Alors en fait ici là vous allez faire 4, d'accord, on va faire un 4. Ok, un 4, là on va faire un 1. Hop, là on va faire ça. Là on va faire un 2. Et voilà. Ensuite vous allez prendre le rouge. Le rouge. Voilà, vous dessinez en bas, là, ça c'est un truc différent, là. Là, vous faites ça, hop. Là, vous prenez le rouge, hop. Ok. Et ensuite, la dernière couleur pour les pieds, vous allez prendre le jaune pour ses chaussures, hein. Et prendre le jaune, hop. Et voilà, mais franchement, il est grave stylé, il est trop d'art, le... Voilà, j'ai oublié un petit truc, un petit détail que j'ai oublié. Là, vous dessinez aussi en rouge, hein. En rouge, là, j'ai oublié. Et voilà, oh, il est trop d'art. Ensuite, vous allez prendre le orange.
le orange. Et donc on va dessiner tout l'arrière, on va dessiner jusqu'ici toute la partie, voilà, toute sa partie en bas. Après avoir fait ça, ce qu'on va faire, c'est que là, hop là, donc là on va faire une genre de petite coupure, voilà, genre une petite coupure, voilà, ok, on fait ça. Ensuite, là, vous allez faire ça, non, je vais vous montrer, hop, ok. Hop. Voilà. Donc en gros là ici vous allez dessiner tout ce qui est à l'intérieur. Alors évitez de dessiner le bleu parce que sinon il va être trop moche après. Ok, voilà, évitez de dessiner le bleu. Ça, ça va pas être très joli. Ok. Et voilà, donc là on a fini avec le orange. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le beige. Voilà, donc le beige ça va être différent. Voilà. Alors en gros, le beige, donc déjà vous avez dessiné ce qui est ici, le petit trou là qui est en bas, qu'on ne voit même pas, je dirais. Ok. Là vous allez faire ça et vous allez et ce que vous allez faire, c'est qu'on va dessiner là ici. Hop. Le problème c'est qu'avec le beige, quand tu fais une petite trace de crayon, tu vois, on peut voir ce qu'il y a derrière et ça c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. Ok. Là, alors ce qu'on va faire, c'est vraiment très important, sinon si vous le faites pas, c'est que votre, après votre dessin va être vraiment gâché. Vous allez faire ça, ok. Hop. Vous allez faire ça. Non, attendez, attendez, attendez. J'ai fait une faute, j'ai fait une faute. Donc là en fait vous allez dessiner là, ok. Et vous allez faire ça, voilà. Et ça ce que vous allez laisser à l'intérieur, et ben vous allez le laisser. Ensuite là, faites attention, on fait un trait et on dessine jusqu'ici. Alors je vous mets des points démarcation, donc là on laisse un trait, là on fait un trait, ok. Ensuite ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dessiner aussi ici, donc là il n'y a pas de problème, ici aussi, hop. On est un peu coincé là, hop, ici on peut. On peut aussi bah, là au-dessus, hop, voilà. Et là, on va dessiner tout le coin, là. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le bleu foncé que je vous ai demandé. Et là, on va dessiner ce qu'il y a en bas, là. D'accord. Maintenant, on va prendre le bleu normal, pas le bleu clair, le bleu normal. Et là, on va dessiner ce qu'il y a en bleu. Ok. Et ensuite, là, c'est une des parties aussi la plus compliquée de la vidéo. Alors ce qu'on va faire là, c'est qu'on va prendre le bleu clair, c'est le mieux à faire. Le bleu clair. Vous allez faire ça. Ici. Ensuite là, hop, vous allez, je vais vous faire aussi un petit point. Hop là. D'accord. Là. Là.
Ok. Là vous faites 4. 4. Là vous faites 3. En fait là on va monter de 3 en 3 pendant un bon petit moment. 3. On va faire. Et là on monte tout en haut. Hop. Et là aussi, donc là on monte tout en haut. C'est vraiment stylé, hein. Moi j'aime trop le dessin là. Donc là on va mettre un petit point. Là aussi on va mettre un petit point. Hop. Après ça, vous allez faire ça. Hop. 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 Ok. Là on va colorier ce qu'il y a à l'intérieur. Il est vraiment pas facile hein, ce dessin, je vous le dis déjà, hein, il est vraiment pas facile. En fait, faut vraiment pas se tromper. Alors je me suis déjà trompé deux fois dans la vidéo, j'ai dû recommencer deux fois. Parce qu'en gros, je me suis trompé sur la tête, parce qu'en gros, l'œil il était carrément tout en haut ici, je me suis totalement foiré. Voilà, donc même moi, je vous dis honnêtement, je me suis beaucoup trompé. Voilà, mais en tout cas, il est vraiment stylé, et là, je l'ai vraiment réussi, je suis vraiment hyper fier de moi. Ensuite, vous allez prendre le bleu normal, et vous allez dessiner tout ce qui est le blanc au-dessus, vous allez dessiner tout ce qui est en blanc. Attends, qu'est-ce que je fais là? 64, c'est quoi ça? Ah non, c'est le bon bleu. Et voilà les gars, la vidéo est terminée, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu, parce que ce dessin, il était vraiment très compliqué. La vidéo va durer 20 minutes quand même les gars.
Voilà, donc n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu et abonnez-vous et activez la cloche des notifications parce que maintenant cette chaîne YouTube va devenir une chaîne de dessin. Voilà, donc si vous voulez me suivre pour faire du dessin, et ben abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo, les gars.